Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Culture Z. Bonjour Oswald. Bonjour David. Oswald, de quoi allons-nous parler dans cette émission De jouets, bien sûr. Ok, mais euh, on va apprendre quoi sur les jouets hmm. Ça, je ne sais pas, mais ce qu'on va voir vraiment dans cette émission, c'est que tu n'es pas ventriloque. Vendu. Ah, elle est belle, la France. Ça me rappelle l'Allemagne nazie. Point Godwin! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Culture Z. Aujourd'hui, nous sommes chez Nico. Salut. Bonjour. Ça va? Ouais, très bien. Alors, je suis hyper content parce que dans l'émission, on va parler de jouets et on va parler aussi de jouets. <laughs> ah, vous allez comprendre. Alors, déjà, quel est le dessin animé qui t'a marqué Qu'est-ce qui t'a donné envie d'avoir des jouets enfants déjà Au tout début, c'était Batman, ouais. Animated Series. Bien sûr, Team Et série. voilà. Et je me suis concentré en fait sur Batman de mes peut-être 5 à 20 ans. <laughs> c'est <laughs> très, très long Oui, c'est très long. Je ouais. <laughs> n'y attendais pas. <laughs> okay. J'ai une énorme collection de Batman euh, qui doit faire le triple de ce truc-là euh, ailleurs. Ouais. Et puis au bout d'un moment, Batman m'a ouvert vers d'autres horizons. J'ai fait la transition avec les Migos. Les figurines Migo qu'on a là-haut, là Oui, d'accord, ces figurines un petit peu euh, entre le tissu, voilà. la mocheté <laughs> et le super-héros. En vrai, c'est un, un peu moche. Et la toute première euh, Batman Migo que j'avais acheté, je croyais que c'était un bootleg, je croyais que c'était une contrefaçon, parce qu'il n'y avait pas la licence d'essai comics dessus. Et je trouvais l'objet très curieux, mais en même temps, c'était Batman, il fallait que je l'achète. Et de là, je me suis ouvert à d'autres jouets. Moi, j'ai jamais vraiment joué avec mes jouets j'avais effectivement des jouets d'enfants. Euh, j'avais du Tortue Ninja, j'avais du Alien, j'avais du Batman. Mais euh, pour moi, tout était centré autour de Batman quasiment. Quoi. Mais alors, du coup, là, tu sous-entends que tu as commencé ta collection de Batman à 5 ans Ouais, très très tôt, ouais. Pour toi, c'était déjà une collection Ouais, ouais, ah, ouais. ouais. L'accumulation la, des objets euh, Batman a commencé assez tôt, ouais. Ok, donc tous les jouets qu'il y a derrière, c'est des jouets que tu as achetés plus tard finalement Ouais, tout à fait. Il y en a beaucoup, énormément, que j'ai acheté en gros compte. Mais alors, l'accumulation de ces jouets qui ne sont pas du Batman, c'est à partir de 20 ans Ouais, c'est ça. Ça a vraiment explosé à 29 ans. Ouais. Aujourd'hui, j'en ai 32 parce que j'ai bossé 6 ans dans le jouet. J'étais directeur artistique jouet. Tu fabriquais des jouets Ouais. Tu... Produits dérivés. Euh, Disney. Ouais. Et du coup, on concevait des objets pour Disney, pour Marvel, pour euh... Ah, tu travaillais vraiment pour euh, Ouais. Euh, des vous étiez boîtes, des renards euh... en fait. Et ils venaient vers toi. Voilà. Et, voilà. et du coup, bah, en fait. Euh... Durant mes six ans dans le dans le jouet, j'avais pas envie d'en acheter en Normal. rentrant chez moi. C'est comme quand tu fais du porno, tu baisses pas ta femme en rentrant le soir. <rire> Sûrement. <rire> <rire> Je ne sais pas. <laughs> <Pardon. Et> euh... <laughs> C'est complètement hors-sujet. Bon, donc oui, tu étais et un peu du dégoûté coup, du jouet. Quoi. Bah ouais, ça... et puis c'était des réalités aussi euh, de vie qui étaient très dures parce que les conditions de confection de ces produits est vraiment difficiles. je faisais pas mal de voyages en Chine et tout. Donc une fois chez moi, bah, j'avais plus trop envie de jouer Quand j'ai quitté mon boulot, par... pour des raisons éthiques justement, et bah, très rapidement, euh, j'ai eu un manque, quoi, un manque cruel de jouets. Donc c'est là où j'ai commencé à racheter donc, euh, des trucs en brocante. C'est brocante exclusivement, ou eBay ou, que, brocante, euh, que brocante. Et un peu le bon coin de temps en temps. D'accord. Donc, euh, maintenant qu'on sait comment tu t'es remis à la collection, que c'est n'est pas tes jouets d'enfance finalement qu'il y a ouais. derrière nous, il y en a quelques-uns. Quelques-uns qui sont jouets d'enfance, mais vraiment pas beaucoup. Mais alors, qu'est-ce que tu collectionnes Parce que là, vraiment, j'ai l'impression, ok, c'est les années 90. Ouais. Ok. Mais alors, il y a tout et n'importe quoi. Ouais, c'est ça. En fait, je fonctionne par coup de cœur. Euh, globalement, c'est principalement... Monstre, héroïque fantasy, robot, voilà. À peu près. Ça fait quand même, ça couvre quand même pas mal de jouets. Exactement. <laughs> Et jouets moches aussi, j'aime bien. Oui, ça j'ai remarqué. Couleurs vives, ça j'aime beaucoup. Et matériaux cool, ça j'aime bien aussi. Ah, c'est oui. principalement au coup de cœur en fait. Ça c'est parce que aussi tu viens de la fabrication du jouet. Voilà. Et donc du coup tu aimes aussi la, la facture du jouet. Ouais, et ça. puis euh, en fait quand je te disais que je ne jouais pas beaucoup avec mes jouets quand j'étais gamin, je n'ai pas vraiment de souvenirs de, de, de scénarios. Je me souviens surtout euh, phaser dessus et les étudier pour savoir comment ils étaient fabriqués, pourquoi ils étaient peints comme ça. Je, je trouvais ça très étonnant de voir des coups d'outils de, dans, dans, dans les mollets des les Tortues Pinceaux, Ninja, tu vois. Ouais. Et, et c'est ça qui m'intriguait sur mes jouets. C'était pas tant de jouer avec, parce que j'arrivais pas trop à me projeter avec ces machins. Quand ça roulait, je les faisais rouler. Quand... <laughs> Mais sinon, j'inventais pas vraiment de scénario autour okay, de tout ça. d'accord. Tu parles de jouets moches, et ouais. j'ai envie de rebondir tout de suite sur cette Tortue Ninja hippopotame vraiment <laughs> dégueulasse. Alors, j'aimerais comprendre d'où ça vient. Parce un... que c'est pas les bonnes jambes, c'est pas les bons bras, c'est toi qui l'as fabriqué Non, non, c'est un... une contrefaçon. Euh, ah, de elle... jouet Torti Ninja. Et je pense qu'ils auront jamais un procès. Et euh, ouais, ouais, je, <laughs> crois, je crois <laughs> qu'ils vont bien s'en sortir. Je, <laughs> je, peux... je <laughs> crois aller... que c'est un des pires jouets que j'ai vu de ma vie. Elle dirait. est vraiment super moche. Il a une tête de cul. Ouais, ouais, elle est vraiment très très moche. Euh, je te filerai le, le, le lien d'un Instagrammeur qui a illustré. Euh, Cette Tortue ninja euh, contrefaçon euh, en, en belle euh, belle réalisation et c'est assez cool et, et c'est vrai que euh, au delà de ça bah, c'est pas les bonnes euh, gens elles sont vilaines quoi c'est extrêmement bien mais euh, mais le jouet moche euh, ouais c'est bien c'est bien ma cam euh... Skeleton warrior ah, skeleton warrior meilleur ouais. cool meilleure licence du monde et du Conan aussi? Du Conan. Ouais. Ça, tu me disais que Conan, c'était ton dessin animé ouais. que tu regardais gagné. J'adorais. À part Batman, il y avait Conan. Ouais, ouais, ça, c'était vraiment trop bien. Je crois qu'une grosse source de mon inspiration et de mon, mon kiff pour les Vikings, par exemple. <rire> et <rire> <Pour les Vikings. rire> et suis bah, <et> de <laughs> Coming out. <rire> <rire> et je partie kiffe de là. Okay. <laughs> Début 90, on avait tous les animaux possibles avec des humains. Ouais. On a des requins. Euh, avec Street Shark, ici, qui casse des murs euh, dans la pub, c'est tout ce que je me souviens. C'est ça. Là, oui. c'est les dinos et ça, c'est Street Shark. Ouais, ça, c'est Street Shark. Super matériaux. Ah, c'est vrai que c'est joli. Hein. Les sculptures étaient vraiment trop cool. Et puis, t'en avais pour ton argent, quoi. Les jouets étaient gros. Là, vous avez Radical Ben qui est la figurine que absolument personne ne veut de Strictly. Du coup, sharp. tu l'as pu trouver en boîte Voilà. Pu... <rire> <rire> Tout à fait. Quand j'ai vu dans le magasin, je savais pas que c'était Radical Ben. J'étais fou de joie et ça fait un ascenseur émotionnel parce qu'il est vraiment, vraiment très, très nul. <laughs> et son nom <laughs> est nul aussi un hein, Radical Ben. <rire> <rire> <laughs> Mais avoir un blister comme ça de, ouais, de structure, c'est quand même super ouais, cool. Cool. Ouais. Ouais, cool. Les blisters étaient vraiment cool. Donc tu me disais quoi Chapmay, c'est ma marque. Quoi Chapmay C'est ma marque préférée, c'est vraiment une marque extraordinaire. Je crois que c'est une collaboration anglo-hongkongaise. Ils ont commencé à sortir des jouets dans les années 90, c'était donc des jouets moches à l'époque. <laughs> c'était vendu genre là, c'était une cardboard avec une épée, avec genre un masque. Ah oui, oui, Et oui. Et puis il oui. y avait genre une figurine oui. en plus. Oui, oui, je me rappelle de ça. Et du coup, Chap en fait, s'est spécialisé dans la création de jouets sans licence pendant toute leur euh, pendant tout le taf, ouais. Et ils sont encore euh, un des leaders de, de jouets sans licence. Donc, comme ils payent pas de licence, bah, du coup, tu achètes un très gros set avec plein d'accessoires pour pas cher du tout. Et en 94, quand ils débarquent avec cette série là, là, c'est complètement ouf parce que le jouet est mal sculpté, mais il a une force incroyable. Mmh. Et petit à petit, en fait, donc il y en a trois dans cette série là. Petit à petit, ils ont commencé à a créé d'autres bonhommes là on doit être en 94 encore et la sculpture petit à petit commence à se perfectionner et euh, j'étais dans une euh, admiration répulsion au niveau de ces jouets quand j'étais enfant et alors là après on passe en 96 et alors là Chapmey, il... ils prennent en skills de ouf et ils fabriquent pour moi ce que j'appelle les meilleurs jouets c'est-à-dire un truc sans licence donc une création originale on a deux chromes différents un chrome légèrement doré et un chrome argenté du translucide, une silhouette de ouf, et puis un bonhomme qui combine plein d'inspirations, c'est un démon païen, euh, euh... avec une armure robotique, ouais, ouais. ça, ça, ça c'est dingue. Le... Donc là, on commence à comprendre que tu es un collectionneur de jouets, mais un peu différent des autres, parce que tu collectionnes pas forcément pour les souvenirs, mais pour la beauté de l'objet. Ouais. Et puis la fabrication taf, de l'objet. Ouais, pour le taf, pour, pour l'inspiration. Là, par exemple, sur celui-ci, là... Ce que j'apprécie vraiment dans ce genre de toujours design, c'est toujours Chapman. Ah, mais non, c'est fou! Ça, c'est extraordinaire, c'est-à-dire que tout le taf passe dans le design et c'est le plus important en fait cette design c'est de dessiner un beau personnage quoi. Et puis qu'il ait une histoire rien qu'en le regardant. Ouais. Bah là euh, c'est du taf de dingue. Ah ouais, hyper et bon. moi ce que je trouve dingue c'est que quand tu trouves un jouet comme ça en brocante, ça a une portée beaucoup plus rare qu'une tortue ninja qui pourrait être plus rare d'une certaine manière mais ça, Chapman, tu vas ne le voir que sur ce personnage là. Tu vas jamais le voir décliné sur un sac à dos, sur un cahier Bien ou sûr. sur une chaise longue c'est euh... encore plus unique. Ouais, exactement. Mmh. Et quand on voit un design de cette qualité, moi, c'est une grosse, grosse source d'inspiration. mail Et ça, ça reste assez rare parce qu'en en fait, personne n'en veut. Tu te payes ça 20 centimes parce que personne ne connaît ce genre de truc. Bon, on voit que tu parles quand même bien de jouer. On peut te voir parler de jouer dans 20 Century ouais, Toys. Oui, on à est d'accord. Qui est sur quelle chaîne fait un peu de promo 20 Century Toys, donc c'est sur YouTube. Mm. On tournait à la, avec la JVTV. Ouais. Donc c'est encore dispo sur, sur YouTube. Ça s'est arrêté, ça s'est transformé en la crème par la suite. Donc on avait une une chronique jouet où j'ai pu concevoir un jouet de A à Z dans cette émission dont je vais vous parler tout à l'heure et puis là a priori on va reprendre euh, Twenty Century Toys euh, peut-être à la rentrée a priori et t'as le violateur là-bas je l'avais pas vu t'as le violateur de spawn ouais qui change de tête ah super j'aime bien les jouets avec les cheveux avec des cheveux <laughs> moi aussi Je suis très... <laughs> ça me, ouais, ça, me... <laughs> ça me rappelle euh, tellement mon enfance <laughs> les cheveux <laughs> ah putain j'ai même pas vu comment t'as fait <laughs> Oh Et yeah, c'est cool, production McFarlane Ouais, de toute façon McFarlane les jouets Il a foncer le business ouais. Enfin euh, ah ouais, ouais. il a vraiment euh, complètement modifié Toute la donne dans le monde du jouet Et en jouet de cheveux j'ai ce Quasimodo Qui est vraiment magique <laughs> En jouet de cheveux <laughs> J'ai des Mighty Max aussi Qui ont des ouais. cheveux, j'adore Et là ce jouet il vient d'où Celui-ci, ouais. c'est un que j'ai fabriqué tu l'as fabriqué. Tout à fait. Donc là, on va passer à la deuxième partie. Je parlais de jouets et de jouets. Donc euh, si on est chez toi, c'est parce que bah, tu adores les jouets, tu sais très bien en parler. Mais aussi, à un moment dans ta vie, tu t'es dit Et si je fabriquais du jouet On va passer dans ton atelier pour en parler Oui, bien sûr. On va dans l'atelier. Nico, alors là, on est dans ton atelier. Ouais. Tu kiffais le jouet. Et un jour, tu t'es dit Je vais fabriquer mes propres jouets. Tout à fait. Euh, je voulais voir si j'étais capable déjà de, de créer mes propres trucs, euh, d'arriver. De, 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 euh... D'accord, et comment on fait On tape sous Google euh, fabriquer un jouet euh... Non, en fait, c'est un peu de la logique au, au bout d'un moment, parce que je bossais dans les effets spéciaux et je bosse, je bosse dans les effets spéciaux. Quand on connaît euh, les matières premières un petit peu, quand on connaît le principe de moulage et qu'on est surtout curieux, en fait, de savoir ok, je veux faire ça, comment est-ce que je peux faire Et ben bah, il n'y a pas besoin vraiment de faire d'école, c'est juste de. faut commencer, faut faut tâtonner, il faut essayer de... Tu démonté des jouets quoi J'ai pas trop démonté des jouets, mais euh, je me souviens que je faisais des tests avec... Euh, genre, j'ai découvert en 97... 96, le silicone de fenêtre. Ouais. Pour faire les joints de fenêtre, par exemple. Donc là j'en foutais sur mes figurines Batman pour faire mes premiers moules. Et du coup j'ai fait des petites têtes de Batman en plâtre. T'avais quel âge Là bah 97, euh, 10 ans. Ah ouais Avec du coup le, 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 le plastique de ouais, ça, de salle de bain, une chose comme ah ça. Ouais. Le silicone de salle okay, de bain. Ok, ça, ça commence tôt. Et alors quel a été ton premier jouet Le premier jouet, c'est Golem 2000. Ça c'est le premier que t'as fabriqué oh, Ouais, tout à fait. Il est articulé et et il et il est... Lumineux, c'est le premier, ouais, c'est le premier. Ouais. As un gros bâtard. <rire> <rire> Moi, si je faisais mon premier jouet, il serait dégueulasse. Donc, là, c'est l'inspiration musclore. Ouais, c'est ça. Même euh, Prince Adam euh, BDSM, <laughs> vu le collier qu'il a autour du cou. Grave, en fait. <laughs> je trouvais ça un assez rigolo. <laughs> Ouais, c'est le muscleur codes. du marais, quoi. <laughs> ça, il y a des codes hyper virilistes et complètement absurdes, en fait, ouais. euh, parce que dans la, dans la collection des maîtres de l'univers, c'est des codes assez particuliers. Ouais. Pousser à l'extrême, voilà. pousser à l'extrême. Et là, bah, c'est un peu le même genre et je tourne en dérision, en fait, euh, ce mythe juif que le mythe du golem, un personnage façonné dans un bloc de, de terre qui protège la communauté. Et donc, euh, bah là, euh, tu l'allumes et du coup, il devient vivant. Il peut protéger. Et c'est hyper intéressant pour un premier projet. De... Tu l'as sculpté, c'est ta première vraiment vraie sculpture. Le golem, c'est quand même super Exactement. Quand, euh, vraiment, euh, quand je me suis vraiment intéressé à ce mythe-là, c'était hyper cohérent de commencer par, euh, par le golem pour, euh, pour mon premier jouet. Quoi. OK. Donc, maintenant qu'on a vu ton premier jouet, qu'on ouais. a vu comment tu es arrivé au jouet, maintenant, la question que je me pose et qu'a priori tout le monde se pose, comment on fait un jouet bah, ça dépend. Ça dépend si on veut le faire d'une manière industrielle ou d'une manière euh, artisanale. Mm -hmm. Artisanale, euh, je vais parler de ça vu que c'est ce que je fais maintenant. Il y a jouets et art toys. C'est-à-dire mm -hmm. que ce que je fais là, ça a le look du jouet, mais ce sont plus des sculptures. Pour moi, un jouet, ça doit être jouable. Mm -hmm. Et si je file ça, euh... un enfant, il va le casser un enfant, il va le défoncer, quoi. Okay. Ça ne se, tu peux absolument pas du tout jouer avec ça. Parce quoi. que c'est pas du plastique. Parce que c'est pas du plastique, c'est de la résine. Mais tu pourrais le couler en plastique et ça ferait un jouet. Non. Non. Euh, je pourrais pas le du couler... tout. J'ai rien compris. <laughs> je pourrais le couler en élastomère de polyuréthane et ça. Eh oui. Je ne pourrais... sais pas le mot, alors je ne pouvais pas <laughs> le dire. <laughs> Ça pourrait s'apparenter éventuellement, mais je n'ai pas encore utilisé cette matière. Non, en fait, le plastique, c'est injecté dans des moules en acier. Donc, les moules sont assez gros, extrêmement lourds, mm -hmm. ultra chers, mm -hmm. dans des gigantesques machines. Il faut avoir un équipement vraiment euh, très important pour faire ça. Professionnel. Voilà. Moi, je ne peux pas faire ça, donc je fais des moules en élastomère que je vais vous montrer et j'édite en résine. D'accord. Dans le cadre de ce jouet, par exemple, qui est en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13 parties différentes qui sont finalement assemblées les unes aux autres pour avoir un truc articulé. Parce qu'avoir un truc articulé de ce type-là en résine, c'est une réflexion est qui est plus ardue ouais, ouais, que s'il était en plastique. Comment, comment fait-on hein, ouais. fait un jouet Comment fait-on un jouet En revenant sur. Le... On commence par. Euh... On va parler du, de ta dernière création. Ouais, alors, enfin, je sais pas si c'est le Batman ou ou euh, ta dernière création. La dernière, c'est celui-ci ouais, ouais. c'est Gobot. Euh, donc Egobot et Dead Viking Warrior, donc ils font partie de la même licence. Et on voit un peu les jouets que tu aimes bien, que on a vu précédemment. Ouais, ouais, ouais. Je, on voit sur sur celui-ci, je me suis vachement inspiré de chapmay sur celui-ci de Skeleton Warrior et ouais. de Ray Ariosen Et ça, je, je trouve ça assez chouette. J'aime bien cet univers et je vais encore le creuser. Là, j'ai créé un troisième personnage dans mon prochain atelier, dans mon autre atelier. là. Ces deux-là ont été faits comme des pièces uniques, donc avec des matériaux qui sèchent à l'air. Donc il n'y okay. a pas de moule. Faire ces deux jouets-là. Par contre, ceux-là, il y a eu des moules pour les réaliser. Ou le Batman aussi. Parlons du Golem ou du Batman alors, peut-être. Le Batman. Si le tu Batman veux. que j'adore. Tu alors là, ton inspiration, c'est. Euh... Euh, Batman qui a un peu vieilli, qui a pris du bide c'est ça Ouais c'est ça, en fait euh, c'est une collaboration avec Maxime Marie qui est euh, un, un très bon ami à moi avec qui on a bossé ce projet et euh, qui est aujourd'hui au Canada qui bosse dans le dessin animé, et, et lui bah, il pouvait dessiner des turns hyper facilement, donc on lui dit, on est tous les deux fans de Batman on fait un Batman, et je trouvais ça intéressant je suis pas designer moi, je, je suis fabricant, sculpteur, etc mais le design c'est un peu un autre boulot je le fais d'une autre manière moi le design, et et lui, bah, c'est son métier, donc je voulais vraiment qu'il garde les commandes de ce truc-là. Et euh, j'avoue qu'il m'a poussé dans, dans, dans mes retranchements parce qu'il proposait des trucs qui me mettaient un peu mal à l'aise. <laughs> ouais, genre deux pics, là, moi, ça me met mal à l'aise. Batman, il en a trois et, et il m'a dit, on vend en deux. <laughs> Donc, ça, c'est le genre de truc qui me met mal à l'aise. <laughs> euh, la grosse bedaine sur un Batman avec des jambes toutes fines aussi, je ah ouais. trouvais ça hyper drôle. Donc, vrai. je lui ai fait vraiment confiance et c'est ce qu'il a fait aussi. Là, on et... est plus sur de la, de la figue que ouais. sur, de, sur du jouet, parce ouais, qu'on ouais, est d'accord qu'il bouge pas. Tout à fait. Euh, c'est une, ouais, une figurine en résine, euh, plus type collector, quoi. Ouais. Figurine collector, chose comme ça. Alors que. Ça, c'en est aussi, mais finalement, comme ça s'apparente à du jouet, comme ça ressemble à du jouet, on croit que c'est du jouet. D'accord. Donc, comment tu as fait ce Batman, et ben, ce Batman Alors, il a fait des dessins, je suppose, au départ. Oui, ce Batman a été euh, dessiné au préalable, et ensuite, on a sculpté. En pâte à modeler, je vais faire. Je vais donner l'exemple avec ce... le bus de Tortue Ninja. Qu'on peut voir ici. Qu'on a ici. On commence par une sculpture en pâte à modeler. donc C'est de la pâte à modeler, comme je trouve chez mon marchand de jouets Ça, ça s'appelle de la plastiline. Ah, je dis pâte à modeler parce que c'est plus simple à comprendre, mais c'est plastiline. Mmh. Et euh, donc, ça, bah, finalement, <laughs> on s'en fout qu'elle soit abîmée parce que on a fait un moule de ce truc-là. Okay. Et euh... le plus important, c'est le moule. C'est quand même très solide. Bah Pas tant, en fait. Ah bon bah ouais parce que si tu le tu vois tu non, arrête peux... arrête arrête ça me met mal à l'aise là, là <laughs> ça me casse pas casse pas <laughs> okay. En fait ça c'est de la matière première que moi je vais devoir euh, réutiliser pour d'autres projets Ah tu vas tout casser Ouais tout à fait parce que j'ai fait le moule de ce ah, truc là oui. Donc pour éditer ça on fait je le montre là sur le Tortue ninja pour on est lancé dessus après je montrerai sur le batman ça c'est le moule ah, pour... le négatif quoi pour... Voilà pour éditer Donc tu as pris la pâte à modeler que tu as, as... tu mets combien de temps pour faire un pour sculpter ça. Pour sculpter un personnage. Ouais. Comme ça, ça celui-ci, ça a dû être une semaine peut-être de sculpte. Une semaine, mais euh, 8 heures par jour Ouais, c'est ça. Ah ouais, ouais. ouais. Euh, Lui a été. Et tu, et tu dis, et tu plus dis long ça, et, euh... genre, c'était pas long. Donc ça veut dire que normalement, c'est. Bah, ça dépend. En fait, globalement, il faut vraiment se foutre une deadline sur chaque projet. Tu okay. peux pas commencer un truc et te dire, YOLO, je sais pas quand est-ce qu'il va terminer parce que tu vas dans le mur direct. Il okay. faut vraiment être assez radical sur les deadlines. Celui-là, il a été créé complètement de A à Z. En, en cinq jours, mais parce que je savais exactement ce que je voulais euh, sur la fin. Lui a été un peu plus long, lui, euh, j'en raconte pas, lui ça doit être 250 heures de boulot pour faire celui-là, alors qu'il n'y a même pas de moule, mais parce que mon process n'était pas très pertinent au départ et tout. Euh. Donc, euh, on fait, euh, en fait, on réalise un moule ouais. euh, de ça pour faire En plâtre en, Alors, oui. en silicone. Ah, c'est pas la matière que tu aimais enfin. En élastomère. Ah ouais. Alors attends, mais il y a du plâtre. Et de l'élastomère. Ouais, ça, le plat, je l'utilise pour économiser mon silicone. Parce que logiquement, pour une figurine comme ça, par exemple, tu fais un moule que en silicone. C'est-à-dire que euh, vraiment, pour faire simple, tu, la, tu, tu protèges, tu mets une, un carton tout autour et tu coules en silicone. Ouais, okay. Mais ça coûte une fortune. Le silicone. Voilà, tu, un moule comme ça te coûterait peut-être dans les 200 balles, plus, tu vois. Okay. Alors qu'avec cette technique, ça te coûte 20 euros. Parce que tu as très peu d'épaisseur. Alors, attends, coup, du coup, tu as ta pâte à modeler. Ouais. Tu mets du silicone comment autour Parce que si tu fais si cette technique. Là, je comprends rien. <laughs> je vois pas comment tu as fait. Eh ben, tu réalises un plan de joint. Tu vois ce que c'est qu'un plan de joint Non. Pour jeux. moi, c'est une soirée avec des amis. <rire> <rire> tu peux me choper un jouet, s'il te plaît euh, Lui, je ne sais pas si c'est un bon exemple, mais on va trouver quand même. Tout jouet a un plan de joint. C'est la séparation. Ah oui. Que l'on voit entre les deux parties oui. du moule, les deux ou plusieurs parties du oui. moule. Une vache, par exemple, c'est en euh, trois moules différents, parfois quatre. Une vache Une vache. <laughs> <C 'est... rire> Parce que ça a quatre pattes, tu vois. Donc c'est forcément un moule puzzle. <rire> <Okay>. <rire> par exemple, un petit euh, chapmeil comme ça. Il n'y a qu'un moule. Il y a deux moules. Il Le devant et le derrière. Parties, exactement, qui fait ça. Ploup. Ça, j'ai compris. Euh, j'ai compris le plan de joint. Voilà. Donc. Euh, le plan de joint, où est-ce qu'on le retrouve ici, Davy Montre-moi le plan de joint bah, et, dans ce moule. Bah, c'est là, là c'est la première partie, là c'est la deuxième partie. Exactement, le plan de joint, ça va être cette ligne-là, là. Ouais. la séparation entre les deux parties. Donc au préalable, une fois qu'on a terminé sa sculpture, mmh. on met de l'argile ici, tout autour. Ah, tu fais le devant et le derrière, chacun Exactement. Ok. Une fois que tu as fait ces deux parties, tu ouvres, c'est pour ça que la sculpture elle est un peu abîmée, parce qu'elle peut s'abîmer un peu parfois à l'ouverture, mais on s'en fiche. Tu as ton moule, tu le refermes, tu coules en résine, tu rouvres, et tu sors une nouvelle édition. Et ça c'est du... Et ça c'est de la résine. De la résine. Là elle est grise, parce que je l'ai bombée de telle manière à mieux voir les, les volumes, les traits, ouais, ouais, voir ouais. où est-ce que je dois penser un petit peu, parce qu'il y a toujours un peu de clinage, et ensuite tu la peins comme ça, là par exemple. Et ça, euh, peindre genre comme ça, par exemple, ça prend combien de temps Ça dépend. Ça peut euh, se faire en, en trois jours, peut-être. Donc, sur un buste de Tortue Ninja tel qu'il est là, il y a une semaine et demie à 15 jours de travail. Ouais, dans ces eaux-là, sans compter, du coup... Bah, la création, avant. Voilà. Voilà, ça dépend vraiment. Il faut, faut quand même se tirer un peu la bourre pour faire ça en 15 jours. Ça se résume comme ça. Mais généralement, mes projets, c'est pas euh, une semaine, Je bah, ça fond dessus, ça s'étale sur plusieurs jours et dans la comptabilité des choses, ça se fait une semaine, mmh. tu vois. Mais j'aime bien mixer plusieurs projets en même temps, sinon tu deviens un peu fou à bosser constamment sur la même chose. Donc là, ça, c'est un des moules du Batman. C'est son corps, en l'occurrence. Et c'est exactement le même principe. Et là, le Batman... Oui, là, par contre, le Tortue Ninja, vu que c'est un buste, il y a tout. Tandis que là, as quand même monté des pièces. Ouais. C'est-à-dire qu'on des... voit ici, euh, c'est pouvoir mettre la jambe, pour pouvoir accrocher la jambe, Exactement. Etc. En fait, il est, euh... une fois qu'on fait une sculpture, il faut toujours penser à euh, qu'est-ce qui va se passer après Comment est-ce que je vais la séquencer, ma sculpture, pour pouvoir la mouler La séquencer, c'est-à-dire euh, quelle coupée. partie ouais. 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 Et ça, c'est hyper important. Là, t'as une jambe. <laughs> Parce que tu le ferais d'une seule pièce, ça serait plus fragile Ça serait pas possible à éditer. D'accord. On a ce qu'on appelle les contre-dépouilles, notamment. <laughs> les contre-dépouilles, <laughs> apprends des mots avec Culture Z. <laughs> Et les contre-dépouilles, c'est assez euh, technique. Si oui, c'est-à-dire que, mais... dire que si on va derrière, euh, en fait, euh... tu, peux plus démouler. Ouais, tu peux plus démouler. Donc, pour démouler une pièce, il faut euh, forcément la séquencer correctement. Euh, là, pour tout la est fait de manière à que quand tu démoules, est, tout, est, tout est viable. Tandis que là, euh, là avec la cape, pas pu, euh, la jambe elle n'aurait pas voilà. pu passer devant la cape. Et puis, euh, tu vois, genre, par exemple, tous les, euh, tous les ailerons. Ça, mmh. je ne voulais pas les mouler. Je les ai fait couper en, en coupe laser. Et ça, pareil, je ne voulais pas l'intégrer au moulage. C'est des pièces qui sont euh, en plus. Okay. Pour le Tortue Ninja, par contre, là, au niveau de la carapace, j'ai ah. dû faire un moule à part entière. Et donc, on peut le voir, d'ailleurs. On a la carapace qui s'enlève là-bas, je crois. Oui, exactement. Donc là, on peut voir, justement, sur la Tortue Ninja que non, elle n'est pas faite en un seul bloc, puisqu'on a bien la carapace qui a été faite à part et qui vient euh, se clipser dessus avec euh, voilà comme ça exactement ah, voilà. et là en fait c'était sur un principe déjà de logique de moulage on a une contre dépouille comme tu vois ici importante euh, là ça aurait été il y pas a un creux ouais. qui est très fort ouais. donc euh, impossible à démouler ouais. et aussi sémantiquement parlant c'est plus cohérent parce que ce sont deux matériaux différents oui. donc si je peins ça à part de ça bah, c'est plus logique parce que là, je vais vraiment pouvoir me concentrer sur une, une carapace de tortue et là, en termes de sur pain la jaune, chair sur la chair de la tortue. Et c'est une fois associés ensemble que ça donne un truc cohérent. Quoi. Très bien. Ok, j'ai tout compris. Et donc, tu as des dessins de. Oui, pour ce qui est par exemple du projet de EgoBot. Alors, on peut suivre peu. tout ton travail sur Instagram. Exactement. Hyper cool. Ouais. On voit toutes les photos, euh, toutes les avancées. Justement, moi, j'ai suivi euh, le travail sur, sur cette figurine-là. Là. Euh, si on peut dire figurine, je ne sais pas. Euh, ouais. Oui, figue, euh, voilà. Ouais, et, et, et vraiment, tu vas nous le montrer avec les dessins, mais on voit vraiment qu'il y a une idée de départ. Et plus tu travailles sur le projet, au final. Ça ressemble plus vraiment à ce que tu avais euh, ouais, décidé ça, au départ. Ouais, Surtout sur le visage, là, je trouve. Ça, dé, ouais, ça dépend des concepts. Ça, c'était le tout premier euh, dessin. Donc fait, euh, genre, 15-20 minutes, 4 heures du matin. Parce que je venais d'acheter des nouvelles bombes. Et il fallait que je fasse un projet pour utiliser des couleurs. J'avais envie. Principalement, en fait, je fais des jouets pour les couleurs, pour les, colo les coloriers quoi. J'aime bien utiliser la couleur. Et lui, je voulais vraiment qu'il tabasse. Je voulais foutre le paquet en termes de couleurs. Je voulais un dégradé. Je voulais du rose fluo et tout. Mais au début, son regard, c'était ça. Donc, un peu différent de celui-ci. Là, on est vraiment sur le jouet euh, que tu aimes. C'est quoi euh, C'est pas Migo euh, Non. Euh... Chapmay Ouais, on dirait en, vraiment avec le visage pas trop expressif. Oui, ouais, tout à fait. Et euh, mais je me suis vraiment posé la question parce que je voulais aussi un, un regard comme ça, mais il n'y avait pas de concept derrière. Et c'est petit à petit où euh, ça, ça a été un des premiers croquis où j'ai commencé à me demander si je ne pouvais pas faire un truc en termes d'expression. De, Comment est-ce que je pouvais utiliser le casque pour exprimer quelque chose, une émotion et une autre. Et finalement, en fait, l'idée s'est construite petit à petit. Ça, c'est le tout premier dessin. Donc je commence par faire un dessin à l'échelle. Ah, un dessin à l'échelle. Ah ouais. Là, 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 on est vraiment dans des, euh, dans du plan. On est vraiment dans, dans des capacités hautes que l'illustrateur. Euh, là, on est vraiment sur euh, le dé au détail près. Euh, ouais, il faut en fait, vraiment, euh... Le principe, c'est des, euh, enfin pour moi, pour ces, pour ces produits-là, pour l'instant, pour ces objets-là, c'est de clarifier au maximum ma pensée mmh. avant d'attaquer la sculpture. Mmh. Parce que sinon, si tu sculptes euh, sans savoir ce que tu vas faire t'es en recherche, es en phase de recherche et c'est pas très pertinent. Pour moi tout du moins, alors que là il fallait que ce soit assez carré dès le départ, donc, je commence à faire un premier dessin comme ça. Je fais aussi le dos pour savoir ce qui se passait également eh oui. dans le dos. Eh. Ensuite, je photographie tout et je passe en Photoshop pour avoir mon truc sous toutes les vues. Un petit peu comme un dessin animé finalement. Ouais, comme, euh, un euh, model sheet euh, d'animation. Euh, ouais. ouais. Et en fait, avoir ça sous les yeux, hyper, pour moi, c'est hyper apaisant parce que je sais exactement où je vais. Ouais. Et à partir du moment où tu as une illustration qui te montre quelque chose sous cette vue-là, et que tu suis ton plan, et ben, ta sculpture à la fin va ressembler à ce que tu vois. Et là, ton casque a déjà euh, subi les changements. Exactement. Et il donne déjà un, un visage hyper euh, vénère. Ouais. Et donc, petit à petit, quand j'ai trouvé cette idée euh, du casque qui changeait de, de vision. Euh, qui, cha qui changeait qui... la vision du personnage. Ouais, ouais, euh, c'est là où j'ai trouvé le, le, le concept du bonhomme. En fait, c'est un robot dans le futur. Les, les êtres humains ont, ont disparu depuis des milliers et des milliers d'années. Et lui, il, euh, il cherche à se rapprocher de l'humanité et des êtres humains. Et il est appelé par une armure magique, une armure païenne de viking. Et quand il l'enfile, il a le sentiment que l'armure lui donne une âme. Et du coup, il est content parce qu'il parce qu se sent puissant, etc. Et c'est une fois qu'il l'enlève qu'il constate qu'en fait, il a été guidé non pas par son âme, mais par son ego et son mental qu'il l'a incité à contrôler les gens. Et, et du coup, et on euh... sent la tristesse et tout ça. Et là, et le désarroi absolu ouais. en mode, j'ai été, euh, je, 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 je me, me suis, suis fait, fait flouer, avoir. Floué, ouais, ouais. Par, euh, par mon armure. Mais attends Nico, faut qu'on parle d'un truc parce que, euh, excuse-moi, mais tu me dis euh, que quand t'es enfant, les jouets, tu joues pas avec parce que tu sais pas te raconter d'histoire avec <laughs> ce truc-là. Et quand tu fabriques un jouet, tu as le scénario de la série. Ouais, ouais, ouais ça j'aime bien ça. J'ai, euh, j'ai scénario de, des séries que je. je C'est bizarre. Ouais. C'est à dire qu'il y a que quand tu mets la main. Dans le jouet que tu arrives à, en fait tu te racontes une histoire, mais elle est dans ta tête, elle est pas, tu, joues, tu fais pas bouger le personnage, ah ouais, mais tu que... fabriques le personnage et tu fabriques l'histoire en même temps. Ouais, en fait. c'est ça. J'apprécie beaucoup euh, quand j'imagine un personnage, j'imagine le nom de la licence mm -hmm. et euh, j'imagine le. Euh, tu devrais te faire des boîtes. À peu près l'imaginaire. Alors j'ai commencé à réfléchir, est-ce que tu peux me choper? C'est euh, un autre personnage que j'ai imaginé. Ça, c'est le tout premier croquis de Dead Viking Warriors, celui-là. Là. Donc, ça a commencé par ça, pour vous montrer un petit peu dans, dans l'esprit. Ça, c'est un autre. Euh, ça commence par un nom, ça commence par un univers. Je commence à designer à peu près un logo. Donc, là, c'est Atlantis Warriors. Et là, du coup, je crée un bonhomme à partir plus ou moins d'un logo euh, que j'ai et d'un scénario. On sent vraiment les années 90 dans ces couleurs. On voit tous les Transformers dans les années 90 qui ont commencé à avoir un plastique un peu plus fluo. Ouais. Euh, voilà, on, dans les années 90, ça. le fluo est arrivé en masse, effectivement. Ouais, dans les et, choix, ouais. et ça, j'adore. Et là, donc, on peut imaginer que c'est une des, une, une des civilisations atlantes qui a fabriqué ces machines pour, pour concevoir des choses, percer des machins sous l'eau et tout. Et, ouais. et ça, tu vas le fabriquer Ça, ouais, je pense que je vais le fabriquer parce que. Parce et que comment tu as fait et eh ben le petit bonhomme va être sculpté à part mmh. moulé à part peint mmh. puis intégré dans un moule en silicone et plongé dans une résine translucide Ok, avec des bulles qui vous donneront l'effet... Oui, de... exactement. Les bulles, je ne sais pas encore trop comment les faire, mais euh, ça va venir avec le temps. J'ai l'impression qu'on a vu un peu comment on fabrique. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on n'a pas dit sur la fabrication du jouet Peut-être ce qu'on peut dire avec, sur celui-ci. Ce projet, je l'ai bossé avec Gaëlle Dubois, qui est une réalisatrice, qui m'a filmé... Pour la réalisation de, de cet objet. Donc, elle va sortir bientôt un petit cours euh, ah, qui va montrer toutes les étapes de création de ce truc. Et là, pour le coup, donc, ça a été fait en, en bois synthétique. Donc, c'est une matière, pour le coup, qui sèche à l'air, qui est hyper bien, qu'on place, on ponce et on replace des nouveaux éléments, on ponce, etc. Donc, on peut aussi faire quelque chose comme ça qui puisse ne pas être moulé par la suite, mais qui ne fait qu'une pièce unique. Je l'ai scanné en 3D et a priori, je vais faire des éditions en plus petits exemplaires de cet ah, okay. ce objet-là. Et, et en résine En résine, oui, tout, okay. okay, tout à fait. Ok, euh, bah, d'accord. Écoute, euh, merci beaucoup, Nico. Euh, J'ai appris plein de choses. Si on veut te retrouver, euh, c'est Instagram, c'est ça surtout Instagram, oui. Ouais. Ouais. Que Instagram. Euh, Nico... Nicolas.Brosso. BRO2S. -E Ton prochain projet Tortue Ninja, bah, c'est une commande, donc euh, je vais la, euh, je vais la finir bientôt là. Ok. Sinon, bah, je vais bosser sur euh, la Princesse des Dead Viking Warriors ouais. et euh, je pars euh, un mois en résidence à Kinshasa, en résidence artistique pour, ah bon euh, ouais, pour travailler d'autres choses en fait, pour essayer de m'ouvrir à, à un autre dynamisme artistique. Bah du coup, on te souhaite plein de dynamisme artistique, encore plus euh, que tu en as déjà. Et, et, et donc, ça va faire merci. beaucoup. Voilà, merci d'avoir suivi ce Culture Z. J'ai appris plein de choses, je suis super content. En fait, euh, les Cultures Z, euh, c'est une manière de rentrer chez les gens. Et de voir leurs jouets, et j'ai l'impression qu'ils sont un peu à moi. Et là, j'ai eu envie de faire du jouet. Je sais que je le ferai jamais parce que j'ai pas ta patience et j'ai pas ton talent. Mais en tout cas, j'ai l'impression d'avoir fait du jouet aujourd'hui, donc je suis trop content. Merci beaucoup. Euh, merci beaucoup. N'oubliez pas que si on vit, c'est grâce à Tipeee Enfin, surtout Thomas. <laughs> un grand merci à Thomas euh, qui, bah, qui maintenant fait cette émission depuis quasiment un an. Voilà. À bientôt. Salut. Ciao. Salut.